Rose. On a une annonce à faire. Les plantes sont des êtres vivants. Vous devrez venir les arroser à tour de rôle pendant les vacances. Passons au sport maintenant. Nous avons reçu les médailles remportées aux compétitions d'athlétisme et de natation du mois dernier. À l'appel de votre nom, vous viendrez les chercher. Mai Kitagawa, Oba Toshihiro, Suzuki Tetsuya. Bye bye. Alors, Y.
égale 3 divisé par x moins 6. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? Il sort d'où, ce 6? Et attends, j'ai tout le programme du semestre dans mon cahier. Je te remercie. Tiens, le voilà. C'est mon cahier de vacances, il y a tout. J'y arriverai tout seul. À plus. Ouais. C'est moi. Calculer la position du point X placé ci-dessus. Mais avec quoi? Mais c'est même pas expliqué. Il y a trop de choses à retenir, bon sang! Encore à cache-cache. Et ma chambre est pas un terrain de jeu. Ah oui, Mexico, hein? Allez, montre-toi. Ça va pas? T'as encore cassé la vitre? Oh, j'en ai marre, tu prends allez, pour qui? Si je le tends d'ici, lâche-moi, petite félasse. Suisseille, c'est qui? Tu vas te calmer. Comment veux-tu que je reste calme, hein? Montre-toi, Super Minus. Allez, ça Super Minus. Je te tiens! Sors de là! Je vais t'aplatir comme une crêpe! Stop! Arrête! J'ai rien fait! Ah ouais? Menteuse! J'ai des preuves contre toi! C'est pas drôle! Ces gribouillis immondes sur mon arrosoir prouvent que c'est Ina Ichigo la coupable! Ce Seiziki, montre ton sécateur! Ina Ichigo, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, hein? Eh ben... Ah, tu avoues! Je le savais! Non! Tu as englouti la dernière boule de riz à la fraise que j'avais gardée! Alors, je me suis vengée de toi, voleuse! Oh non, tu recommences! Franchement, tu pourrais te retenir! Tu es vraiment incorrigible! C'est faux! Vous dites n'importe quoi! Je sais, tais-toi! Toi, tu vas payer pour avoir osé toucher à mon précieux arrosoir! Tu vas le regretter, Minus! Arrête ça, c'est ridicule. Vous commencez à m'énerver sérieusement. June, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Je veux qu'on me serve mon thé à heure régulière. Oh, tu plaisantes? Tu fais un bien médiocre valet. Quand comprendras-tu enfin que ton rôle est de me servir? Ina Ichigo, tes affaires sont encore en désordre, regarde! Ah, tu empiètes encore sur mon coin! Que s'est-il passé? Je vais craquer! Tout le monde dehors! Je n'en reviens pas, c'est vous la coupable? Oh, je ne sais pas quoi vous dire, monsieur le détective! Je vous aime! Quoi? Oh! Je déteste cette horrible femme! Ne t'inquiète pas, voyons. Kun-kun est trop malin pour se laisser avoir. Et ce thé? Il vient? Ah! Oh non! Je vais rater la femme, Kun-kun! Je suis rentrée! Nori, tu rentres tard? Désolée, mais je dois beaucoup m'entraîner pour le match. Et j'ai quelque chose pour toi. Tiens, pour me faire pardonner. Waouh! Du riz à la fraise! Mais seulement après leur pas, d'accord? Oui, mais en attendant... Mets-la dans ta pochette. Tu sais, celle que je t'avais donnée? Oui!
J'ai tout entendu. Dis donc, t'en perds pas une. Ah, mais vous êtes là, les filles? Salut. Oh, bonsoir, June. Pardon pour le retard. Je vais préparer le dîner. Oh, mais il faut que je rentre le linge. C'est fait. Hein? Je l'ai rentré. Merci. C'est gentil. Ina Ichigo, je t'ai préparé ton plat préféré. Mon plat préféré? Tu veux dire? Oui. Ouais. Suisei Seki, Sosei Seki, vous mangerez avec nous? Ah oui, volontiers. Vous devriez quand même prévenir le grand-père. D'accord, je m'en charge. C'est bientôt la nuit. Nous, tu l'as bien cherché. Maintenant, tais-toi et mange. Ah, je suis plus rapide. Ah, saleté. Comme ça, on est quitte, Minus. Ah ouais, tu vas voir. Hé, trop nul. Vous abusez. On ne pique pas dans l'assiette des autres. Vraiment, aucun savoir-vivre. À bientôt. Et dites bonjour à grand-père de ma part, d'accord? D'accord. Et merci pour ce bon repas. Oui, et on vous dit à la prochaine. La prochaine fois, vous passerez par la porte. Non, je préfère utiliser mes pouvoirs. Et puis ça remue un peu la larve que tu es pour changer. Pardon. On a sommeil. Allez, au lit. Oui. Moi, je vais aller me coucher. Tu n'as pas sommeil, Finku? Non, je vais lire encore un peu. N'oublie pas de ranger ce dinosaure avant de te coucher. Je vais dormir avec. Passez une bonne nuit. Oui, toi aussi. Bonne nuit. Shinku, tu es encore debout? Moi, je tombe de sommeil. Je vais au lit. June, encore plongée dans tes maths? Ouais. Bonne nuit, vous deux. Bonne nuit, Nori. Bonne nuit. Dis. Oui? Je trouve que tu te couches très tard en ce moment. Ah oui? C'est pas toi qui disais qu'il fallait respecter les horaires? Oh, je dis ça, mais ça me dérange pas que tu restes là. Hein? Ah. Hein? Tu te couches? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Dis, June. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien. Passe une bonne nuit. Oui, toi aussi.
Shinku. Je ne suis pas un Tachifon. Un vulgaire Tachifon. Shinku, pourquoi as-tu fait ça? Shinku. 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 Suis Ginto. Attends. Attends. Je n'avais pas l'intention de te nuire. Je n'avais pas l'intention de te faire de mal. C'est pour ça que je t'ai laissé ta Rosa Mystica. Mais je devais. Alors, pourquoi? Pourquoi te battu? Pourquoi? Pourquoi te battu? Shinku, qu'est-ce qui t'arrive? June. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Oui, June. Est-ce que j'ai bien fait d'agir ainsi? Hein? Je n'aurais pas dû faire de Suiginto une simple poupée de chiffon. Je croyais que tu y avais été obligée. Tu m'avais dit que le destin des poupées Rose and Maiden était de finir le jeu d'Alice. Alors tu n'avais pas le choix. En effet, j'ai toujours pensé que c'était inévitable. Notre père a créé les poupées que nous sommes, les Rose and Maiden. Il a aussi créé le jeu d'Alice. Pour devenir la nouvelle Alice et le rencontrer, nous devons mettre en jeu notre âme, la Rosa Mystica, et nous affronter jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. J'ai longtemps cru que c'était notre raison de vivre, mais la disparition de Suiginto m'a ouvert les yeux. Perdre une sœur est une douleur sans nom. Ces combats sont un fardeau trop lourd à porter. Beaucoup trop lourd. Shinku, tu veux du thé? Je vais mettre l'eau à bouillir. Ah. June? Mei-Mei? L'âme artificielle de Suiginto? Mei-Mei! Reviens! Shinku, le miroir a réagi. Ah! C'est quoi ça? C'est Mei-Mei! C'est quoi Mei-Mei? Attends, Shinku! J'ai quelque chose de très important à lui dire! Laisse-moi! Là! Shinku. Il neige? C'est un coup du lapin farceur. Le lapin? Exact. Si ma présence vous insupporte, voyez les choses sous cet angle. Dites-vous que vous dormez et que tout ceci n'est qu'un rêve. Un lapin? Que me veux-tu? Je suis pressée par le temps. Avertissement ou mensonge d'un manipulateur, à toi de décider. On dit que quand la lumière cherche la lumière, elle en vient à se perdre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, il ne s'exprime jamais clairement. Si ton objectif est de me lancer un défi, j'accepte de le relever. La forêt est profonde, tu risquerais de t'y perdre. Mais si tu es décidé... Mei-Mei? Le monde est fissuré de toutes parts. Les portes sont là pour combler les interstices. Prends garde, car certaines sont invisibles et des démons pourraient se cacher derrière. Sur ce...
Je vous salue, jeunes gens. Mais enfin, qui c'est celui-là? C'est celui d'Into? Non. Qui va là? Montrez-vous. Qui va là? Oh. Qui es-tu? Qui es-tu? Dis-moi qui tu es. Dis-moi qui tu es. D'accord. Je suis Shimku, la cinquième poupée Rosen Maiden. Shimku. Moi, je suis la septième poupée Rosen Maiden. La septième? Je suis Bara Suishou.